Je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir, Madame le Secrétaire d'État, ici au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous devons élargir notre vision. Nous ne pouvons pas résumer l'Europe à un dialogue franco-allemand, même s'il est nécessaire. Nous devons nous ouvrir vers les pays de l'Europe de l'Est et nous devons nous ouvrir vers la Roumanie. Notre deuxième axe de développement à l'international dans le cadre de ce schéma, c'est la francophonie. Parce que nous croyons à la francophonie dans le cadre de la mondialisation. Je suis très sensible à votre présence ici, à un moment où effectivement l'Europe est un sujet dans le débat public, ici comme dans tous les pays européens, à un moment aussi où la Roumanie exerce des responsabilités importantes dans le fonctionnement de nos institutions européennes, et à un moment où nous sommes tous persuadés de l'importance de cette diplomatie des territoires. Pour la Roumanie, la France a toujours été un modèle de développement et une source d'inspiration. Nous avons fait des progrès considérables en Roumanie concernant la réforme des institutions publiques. Il est important que la décentralisation, le processus de décentralisation continue, elle doit se réaliser sous toutes ses formes patrimoniales, décisionnelles et financières. C'est la seule modalité d'assurer des services de qualité pour les citoyens. La région, vous l'avez dit, est autorité de gestion, donc avec l'ensemble de l'exécutif, avec Philippe Meunier, mon collègue vice-président aux relations internationales, nous œuvrons effectivement au quotidien pour que les régions soient au plus proche des porteurs de projets. Tout ne peut pas être fait par les collectivités territoriales, mais beaucoup, beaucoup peut être initié, conforté, soutenu par des autorités territoriales qui sont engagées dans des relations très très fortes de confiance, et c'est le cas entre Brest et Constanza. La collectivité n'est qu'un maillon de chaîne dans un réseau global, c'est-à-dire que la ville suscite auprès de ses citoyens et auprès de ses concitoyens suscite l'intérêt qu'il peut y avoir dans le cadre d'un partenariat. Le réseau Vivapolis a été créé pour mieux partager les bonnes innovations menées par des villes et par des entreprises françaises. Vivapolis, c'est aussi l'organisation, avec l'appui de nos ambassades, d'échanges, d'expertise et d'échanges de coopération. C'est par la défense du patrimoine que notre histoire avec la Roumanie a commencé, grâce aux nos fondateurs qui se sont mobilisés à Bruxelles lorsque la dictature de l'époque voulait détruire tous les villages de Roumanie en faisant table rase des coutumes et des traditions. C'est là que 3000 villages ont été adoptés par des communes occidentales dans un merveilleux élan de solidarité. Nous n'avons pas fait exception à la règle d'avoir démarré le jumelage et la coopération avec la Roumanie en des temps où l'humanitaire était de mise. Mais nous aurions souhaité que nous allions vers une coopération et vers une politique de projet plutôt qu'une politique de don. Donc ce qui me paraît être un obstacle en tous les cas à l'efficacité d'un partenariat, c'est cette limite de réciprocité où les choses se font plutôt à sens unique. Pour nous, c'était important, que ce soit en France ou en Roumanie, que cette saison puisse irriguer l'ensemble des deux territoires. De fait, en France, la saison a traversé plus de 90 villes, parfois avec une étape d'un soir, parfois avec des programmes qui ont duré plusieurs mois ou qui durent encore, et dans 13 régions. C'est évident que pour le grand public, la partie la plus visible, c'est la partie liée aux arts et à la culture. Mais il y a aussi des rencontres comme celle-ci. L'importance de ces relations territoriales ne peut pas être exagérée. Elle a un rôle essentiel dans le futur de relations franco-roumaines. Les liens, les relations entre nos deux États, elles sont anciennes, elles sont traditionnelles, elles sont extrêmement riches, elles continuent. On a énormément
d'intérêts et de points communs dans cette Europe qui actuellement se confronte à beaucoup de défis, à beaucoup d'enjeux. Moi, je suis très optimiste parce que, tout d'abord, nos relations décentralisées s'inscrivent dans un contexte qui est extrêmement positif. Et je pense aussi aux associations d'élus qui ont un rôle particulièrement important à jouer, je pense, parce que cela permet de fédérer les demandes et les idées. Raviver la flamme, relancer, accélérer et initier de nouvelles relations entre nos deux pays, quel que soit le domaine. Nous pouvons dire que ces assises marquent une nouvelle page dans l'histoire de la coopération entre les collectivités de nos deux pays. L'Europe est à un tournant, c'est vrai. Dans ce contexte, la vigueur des coopérations engagées entre les collectivités territoriales, notamment entre nos deux pays, constitue un signe tangible d'une relance de projets européens, à partir du moment où on s'appuie sur des initiatives concrètes et perceptibles aux yeux de nos concitoyens. Donc je vous invite vraiment tous, responsables locaux roumains, comme d'ailleurs nous-mêmes responsables de collectivités territoriales françaises, de travailler sur ce développement économique entre nos territoires. C'est extrêmement important. Et je pense que c'est à travers ce développement de nos économies que nous allons pouvoir continuer à avoir cet enrichissement mutuel en développant nos activités culturelles.